Salut, chers membres de Safi International, ici Lambert Kouassi. Juste un tutoriel pour montrer à un membre de mon groupe comment faire l'achat de son pack. Ici, il n'y a pas de pack en tant que tel. Ici, il n'y a que des locations de hubs. Tu loues des hubs, ça a créé pour toi des ZENIQ Coins parce que tu deviens un mineur. Voilà, tu deviens mineur. Donc, lorsque tu approvisionnes ton compte, il n'est pas question d'aller créer un coupon. Toi, tu as déjà la monnaie dans ton compte. Pourquoi créer un coupon? Le but du coupon, c'est quoi? Le but du coupon, c'est pour ceux qui ne savent pas utiliser l'Ethereum et le Bitcoin pour approvisionner leur compte. C'est pour eux qu'on fait le coupon. C'est-à-dire, moi, j'ai de l'argent dans mon compte. Quelqu'un ne sait pas comment lui envoyer de l'argent sur son compte. Moi, l'argent qui est dans mon compte, je peux l'utiliser pour créer un coupon pour la personne. Et donc, je crée un coupon pour la personne. Vous voyez là? Voilà le coupon. Je peux créer un coupon de $100 pour la personne. Je peux dire, bon, pour mon ami. Voilà. C'est un coupon que j'ai créé pour lui. Le coupon, on me demande le mot de passe de mon compte. Comme moi, j'ai Google Authenticator, on me demandait le Google Authenticator parce que l'argent doit sortir de mon compte. Vous comprenez? Voilà. Donc ça, les coupons qu'on crée là, ce n'est pas pour soi-même, forcément. Si tu as déjà de l'argent sur ton compte, pourquoi tu vas créer encore un coupon? Tu peux prendre ça pour aller payer directement ton pack. Tu n'as pas besoin de créer un coupon alors que toi, tu as déjà l'argent sur ton compte. Vous comprenez? Donc, je le fais quand même pour montrer comment on crée un coupon. Et quand on crée un coupon, ça peut donner à un ami. Voilà, le coupon vient d'être créé. Voilà, c'est créé. Le coupon est créé. L'argent est sorti de mon compte. Mais le coupon qui est créé, là, ça ne veut pas dire que j'ai payé mon hub. Mon hub, je ne l'ai pas encore payé, alors que je viens de créer un coupon. Et même le coupon qui vient de le créer, si je veux l'utiliser, mes $100 sont partis. Si je veux l'utiliser, OK? Voilà le coupon qui est là. C'est le coupon là qui est là. Où il est? Le coupon de $100, le $100 tout à l'heure. Il est où? Il est où le coupon? Bon, on va le chercher. Donc, on va chercher le coupon rapidement. Attendez. Donc, voilà le coupon, ça y est dans Purchase qu'on a payé. Le voici. Voilà. Donc, le coupon est là. Et donc, si on veut l'utiliser, on vient ici dans Redeem. OK? Redeem, qui veut dire récupérer l'argent qui est sur le coupon. Regardez ici, je n'ai rien ici. Mais l'argent va venir, les $100 vont revenir tout à l'heure dans le compte. Hein? Regardez ici. C'est venu, regardez, les $100 sont revenus. Voilà, donc je n'ai même pas encore acheté mon pack. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je n'ai même pas avancé. L'argent était là, j'ai pris pour créer un coupon et je suis revenu encore, les $100 sont là. Donc, je n'ai rien fait. Donc, s'il vous plaît, ce n'est pas avec comme ça ça fonctionne. On crée le coupon pour donner à quelqu'un qui en a besoin. J'insiste sur ça parce que quelqu'un, tout à l'heure, dans un groupe, disait que bon, il veut créer un coupon pour faire. Tu as déjà de l'argent dans ton compte. Pourtant, il a déjà approvisionné son compte. Il veut créer un coupon. Ça ne sert à rien de créer un coupon. Le coupon, on le crée pour donner à un ami, pour que lui puisse avoir l'argent sur son compte. Une fois l'argent sur son compte, maintenant, il peut venir maintenant dans Shop. Donc, dans ton cas, il faut venir cliquer sur Shop et tu vas, comme tu n'as que $100 ou bien €100 ou bien €150, si tu as 100, tu choisis, tu viens ici. Après avoir cliqué sur Shop, tu viens ici où c'est écrit, 800 là. C'était comme ça. Où c'est écrit €800 là. Tu viens de choisir, si tu as $100, pardon, tu choisis 1,32. Et tu cliques sur Buy Now. Il va payer automatiquement pour toi. Et puis, ou bien si tu as 150, tu choisis 1/16. Si tu n'as que €250, tu choisis 1/8. Si tu n'as que 450, tu choisis 1/4. Et si tu n'as que €800, tu choisis ça et tu cliques sur Buy. Et puis c'est fini. Voilà, tu vas accepter le paiement. OK, tu valides, puis c'est fini. Automatiquement, ton hub sera payé et dans une heure de temps, 2 heures, tu vas voir que les ZENIQ Coins vont commencer à sortir ici parce que tu es un mineur. Tu vas miner les ZENIQ Coins pour te faire de l'argent. Vous comprenez? C'est comme le Bitcoin, il y a des mineurs. Donc ici, cette compagnie, il y a une puissante technologie, permet à des individus comme vous et moi de miner, de créer des coins. Et plus on va avancer dans les années, le nombre de coins va diminuer et le prix va devenir de plus en plus monter. Et ceux qui auront miné assez de coins se feront beaucoup d'argent. Ouais, c'est tout simplement que c'est tout simplement comment ça marche. Donc, plus tu as une capacité de minage élevée, plus tu te fais de l'argent, que dis-je, plus tu te crées des coins. Et comme le coin, c'est de l'argent, plus tu te fais de l'argent. Vous comprenez? Donc, ceux qui ont les moyens pour prendre les hubs les plus élevés, par exemple, un hub, selon le programme de minage de février 2021 à février 2022, on est en 2021 maintenant, et pendant que je parle, nous sommes au 14 juillet 2021. Donc, la première phase a déjà commencé et les gens peuvent miner. Donc, avec les montants un peu élevés, tu peux avoir un hub à toi seulement. Vous voyez, tout à l'heure, on a vu 1 sur 32, 1 sur 16, 1 sur 8, 1 sur 4 et puis 1 sur 2. C'est ceux qui n'ont pas assez de moyens qui veulent quand même miner aussi. Mais ceux qui ont les moyens qui peuvent miner à partir de un hub, tu peux acquérir un hub qui va te miner 50 Zcoins par jour, OK? Qui te fait 18 000 par an. Ceux qui ont ça, ils peuvent miner 100 Zcoins par jour, qui fait 36 000 Zcoins par an. Ceux qui ont ça peuvent miner 200 Zcoins par jour, qui fait 72 000 par an, etc., etc. Donc, on peut miner et plus tard, plus la monnaie va prendre la valeur, c'est comme si tu crées de l'argent. Par exemple, si la monnaie atteint 0,5 € par jour, pendant un jour, il fait 0,19. Si ça atteint 0,5 par jour et que toi, tu peux créer 50 par jour, donc tu peux te faire 25 € par jour. Quand ça va atteindre ce montant, ceux qui créent 100 € par jour, 100 Zcoins par jour, peuvent se faire 50 € par jour. Ceux qui sont ici, 100 € par jour. Ceux qui sont ici, 200 € par jour. Ceux qui sont ici, 400 € par jour. Ceux qui sont ici, 800 € par jour. Quelqu'un me demanda, mais comment on peut faire pour échanger? Mais écoutez, c'est si la puissance de ce système. Tu crées les coins et tu peux swapper directement sur Uniswap. Uniswap qui est une plateforme d'échange décentralisée, c'est-à-dire ce n'est pas un homme qui gère. Tout se fait automatiquement. Vous comprenez? Et la bonne nouvelle, c'est que la compagnie elle-même aura sa plateforme d'échange d'où vous pouvez faire du staking. C'est-à-dire, tu peux venir faire du staking sur les plateformes. Vous comprenez? Tout ça sur les plateformes de change qui sera aussi une plateforme décentralisée. Pour votre information, Binance n'est pas une plateforme décentralisée. Binance est une plateforme centralisée. C'est-à-dire ça peut fermer, comme les deux plateformes ont fermé un jour. Je ne dis pas que Binance va fermer, il me dit que Binance est centralisée. C'est un être humain qui gère. Alors que Uniswap est décentralisé. OK? Voilà. Pancake swap est décentralisé. ZENIQ Exchange sera aussi une plateforme décentralisée. Je vous montre ça ici. Donc, j'insiste sur un fait. Beaucoup de personnes ne savent pas ce dont je parle actuellement. Sur Internet, actuellement, il n'y a que deux plateformes qui sont décentralisées au niveau des échanges. C'est-à-dire où tu peux échanger automatiquement sans qu'un être humain intervienne. OK? Il y a des plateformes d'échange centralisées, comme Binance, c'est centralisé. Mais Uniswap, c'est décentralisé. Tout est géré par la blockchain, comme en open source. Pancake swap est décentralisé. ZENIQ sera aussi décentralisé. Vous comprenez? Donc, ce qu'on veut que vous compreniez, c'est que quand vous êtes en train de miner là, vous allez miner, des coins seront utilisés sur une plateforme décentralisée. Maintenant, ceux qui peuvent faire du staking, où la compagnie va consacrer 100% des frais de change pour payer tous ceux qui détiennent des ZENIQ Coins et qui auront mis ça à la disposition de la plateforme de change. Vous savez, sur la plateforme de change, il faut qu'il y ait des stocks d'argent, des stocks de coins pour que les gens puissent faire des échanges avec. Toute personne qui va mettre son coin à la disposition de la plateforme de change en staking pour que les gens puissent swapper automatiquement, ces personnes seront rémunérées parce que quand on fait l'échange, il y a des frais. Quand on fait le trading, il y a des frais. Donc, la compagnie consacrera 100% de cela pour payer les gens. Mesdames et messieurs, il y a beaucoup de choses sur ZENIQ. C'était juste pour montrer comment on fait un paiement de hub et je vous viens de vous montrer quelques avantages. Voilà, toutes les informations, d'autres informations précises sont sur ma chaîne YouTube. Il faut vous abonner à ma chaîne YouTube pour en savoir plus. Je vous remercie. Ciao. Le lien de la chaîne YouTube est en dessous. Ou bien clique juste en dessous là, c'est écrit là, abonné, abonne-toi et puis tu auras le meilleur avec Lambert Kouassi. Ciao.